Bon matin tout le monde. Donc, j'ai voulu vous montrer ce que je donne en voyage à manger aux chiens parce qu'en fait, sur les croquettes, ils font des caca vraiment, vraiment mou. Puis, il y a des personnes qui m'ont conseillé de rajouter de la viande puis des trucs que je leur donnais d'habitude. Donc, j'ai acheté des cœurs de poulet puis des quilles de bœuf que je coupe puis que je leur mets dans leur bol. Puis, depuis ce temps-là, les caca sont vraiment mieux. Donc, c'est ça que les chiens mangent en voyage et je peux vous dire qu'ils sont très contents de manger ça. Bye! On s'en va à Forestville pour se promener dans la forêt avec les pétous. On est arrêté au dépanneur, on a mis de l'essence, on a acheté des petits bonbons. On est arrêté aussi à l'épicerie, on a acheté des petits trucs, des fruits, puis des petits biscuits pour la route. Puis après ça, on va dîner là-bas parce qu'il est déjà midi 44, mais on a déjeuné tard, fait qu'on va dîner quand on va arriver là-bas. Donc je vous vlog, on est en route pour Forestville et on a une soixantaine de kilomètres à faire. On est allé prendre des photos dans ce petit chemin-là. C'est comme une descente ici. Puis il y a un tracteur qui a failli nous rentrer dedans. Dans... Ben, je l'ai vu, il s'en venait de loin, mais. C'était. Il s'en venait vite. C'était une expérience. Je sais pas si on voit trop bien là, à cause des couleurs, ils ont l'air un peu bizarres, mais. Ça, c'est la face à Atlas. Quand il s'est comme étouffé un peu pendant une photo. Celle-là. On voit le tracteur en arrière s'en venir vers nous. On est arrivé à Forestville. Donc on a décidé d'arrêter finalement à l'accueil des fours touristiques parce qu'on n'a aucune idée en fait c'est où les sentiers qu'on avait vus sur internet parce qu'il n'y a pas d'adresse. Ok, je vais aller voir. J'aurais aimé ça aller au bout mais on peut pas. Mais les plus aventureux peuvent, j'imagine, mais le sentier, il n'y a pas de sentier en fait, c'est juste marcher sur les roches, puis j'ai pas trop envie de m'aventurer là avec les deux chiens. Mais je vais aller faire des petites photos là. On s'en va à la plage! En avant! Yes! Oh! Quelle est la nouvelle chose après quoi tu gères à Patlas? Du bois ou des vagues? On s'en va voir les vagues! Atlas, qu'est-ce que tu manges?
la boulangerie au petit four à Forestville, puis ils font... Là, j'ai juste pris des demi, mais j'ai acheté une boîte en arrière pour ramener à notre famille. Mais c'est des Joe Louis, en fait, qui sont faits maison. Ils sont vraiment, vraiment bons. Fait que je vous les conseille, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller voir. Donc là, on est en direction de Baie-Comeau. Finalement, on a décidé qu'on passait pas la journée à Forestville. Donc, on est en direction de Baie-Comeau. Finalement, on était venu se promener dans un petit parc à Baie-Comeau, mais on ne trouve pas grand chose, donc finalement, on va rentrer à Espy. Bon matin tout le monde, je suis sortie promener les chiens, puis je viens de voir deux outardes de là-bas. Atlas, il ne les a pas encore vus, mais je suis pas mal sûre qu'il va japper après. Je vais essayer de m'avancer, mais je sais que c'est quand même mauvais, ça fait que j'ai un peu peur. Mais je sais pas si ils vont juste s'en aller. Je pense que je vais juste retourner de bord. Allez, Pito! Faut pas aller les déranger au cas où, hein? Ouais, quelqu'un. Ok, aujourd'hui c'est une journée assez pluvieuse. Là, il a arrêté de pleuvoir, mais depuis tantôt il pleut. Fait que là, on fait la vaisselle. Et puis après ça, on va faire le dîner. Donc, on a pris des côtes levées. Puis des petites patates au four comme ça. Chez le boucher que je vais vous mettre l'adresse parce que c'est excellent. Je vais mettre tous les liens et les adresses en barre d'infos. Petit update, donc aujourd'hui, comme c'est une journée de pluie, on fait rien de spécial. Fait qu'on reste collé avec les pitous puis on profite du chalet. Puis demain, on s'en va faire du Zodiac. Donc j'ai vraiment hâte et je vais probablement pouvoir filmer vu que ça va être un Zodiac fermé. sinon après ça, demain, on va sûrement aller après avec les chiens. À l'observatoire du Cap de Bon Désir, à se promener avec les pitous, puis sûrement que demain soir on va aussi aller au restaurant sans les pitous, puis je sais pas trop si on va faire d'autres choses pendant la journée, puis on s'en va bientôt, on s'en va samedi, mais on va sûrement traverser l'autre côté pour aller visiter plus de places, donc c'est à suivre. Quand on est allé faire une petite promenade, là-bas, on est allé se promener sur les Caps de Roche un petit peu. J'ai pas filmé, je pense j'ai oublié, mais c'est pas plus grave que ça. Au pire, ce vlog-là sera un peu plus court parce qu'aujourd'hui, on fait pas grand-chose. Donc, je pense que je vais t'amener le vlog ici et je vais en recommencer un autre demain.